Les résidents du Tour Frontenac, voici une invitation à ne pas manquer. Le 3 juin, ici au parc Médéric Martin, aura lieu la fête des quartiers. Aujourd'hui, on va faire un Tour Frontenac un peu différent parce que nous ne sommes pas au Tour Frontenac comme d'habitude. Nous sommes à quelques pas des Tours Frontenac, mais il va y avoir une fête des quartiers ici au parc Médéric Martin. Et je suis avec Lydia Biglot, qui est bénévole et effervescente citoyenne, qui est responsable pour organiser un peu tout ça. Alors j'aimerais, Lydia, que tu nous racontes un peu qu'est-ce qui va se passer. J'ai pu voir dans la programmation qu'il y a des ateliers, un coin du calme, la scène. Qu'est-ce que les personnes qui vont venir ici le 3 juin, samedi, vont pouvoir profiter? En fait, les gens peuvent s'attendre à vraiment une fête citoyenne, participative. Donc, tout ce qui est mis en place, c'est des citoyens, des citoyennes de Centre-Sud d'Hochelaga qui les organisent. Donc, des ateliers de tai chi, par exemple. Il va y avoir des trucs pour les enfants, maquillage, des activités participatives pour que tout le monde apprenne à se connaître. Il va y avoir de la musique, des performances, un souper spectacle, performances musicales hors de la scène, des drags, des circassiens, vraiment plein de choses. Ça va être super intéressant. On va aussi avoir du kombucha, des salades, donc des repas gratuits pour tout le monde. Donc ça, c'est super. Puis voilà. Oui, dans la programmation, c'est bien de remarquer ça. Il y a des collations gratuites dès 13h ici. Et après, il y a un souper à 17h, c'est ça? Oui, exactement. Donc le souper, c'est un souper spectacle avec des drag queens, des performances. Ah, génial. J'aimerais approfondir un peu par rapport aux ateliers. J'ai vu qu'il y a des tricots, du stop motion. Pourrais-tu nous expliquer un peu et c'est quoi le coup de cœur de l'équipe d'effervescence par rapport aux ateliers? Bien, c'est toutes des super activités et des super ateliers, mais c'est sûr que l'activité stop motion, c'est Rachel, c'est une résidente du quartier ici, qui fait de l'animé avec de la pâte à modeler. Donc, elle va nous faire un atelier pour nous montrer son processus créatif, donc comment elle fabrique son stop motion. Génial. Bon, Lydia, j'aimerais savoir qui peut participer de cette fête. Tout le monde est la bienvenue. C'est une fête qui a été mise en place pour les citoyens et les citoyennes de Centre-Sud de Hochelaga-Maisonneuve, mais tout le monde est la bienvenue à la fête. OK. Il y a une contrainte. Si jamais il pleut, qu'est-ce qui va se passer? S'il pleut, c'est remis au lendemain, donc le 4 juin. OK. Génial. Bon, c'est ça les rendez-vous. C'est samedi 3 juin de 13h à 20h au parc Médéric Martin, qui est juste à côté du métro Frontenac. Je te remercie, Lydia.